Bonjour à tous, nous revoici dans WRC et cette fois-ci, on va dans un club que vous allez reconnaître, les Zinzins du Rallye. Et on va le faire à l'arrache, mais vraiment à l'arrache, puisque des fois quand je prépare mes rallyes, le résultat il n'est pas très significatif. Donc celui-là je le fais à l'arrache, en plus j'ai pas beaucoup de temps, donc c'est parti, avec grand plaisir. J'avais déjà fait le premier en Espagne. Aussi à l'arrache, mais bon, je le diffusais pas. Là j'ai décidé de le diffuser et puis de mettre un petit peu plus en lumière le championnat. Et puis, au moins pour cette épreuve-là, après, je sais pas si j'en ferai, si je ferai d'autres vidéos, mais en tout cas, celle-là, j'avais envie de vous la partager parce que je vais vraiment tout faire à l'arrache. J'espère pas faire un truc trop. Voilà, en plus, c'est trop minable. En plus, c'est la catégorie. Super voiture là, c'est les plus, voilà, les hybrides les plus puissantes du jeu, forcément c'est celle du WRC actuel, donc ça va vraiment pas rigoler. Et là c'est l'Océanie, l'épreuve du rallye de l'Océanie, celui que je suis en train de faire dans le club Bobquad 01. Donc je découvre tout, de toute façon tout est à l'arrache, je sais pas du tout ce qui va se passer. Alors il y a 6 épreuves, 6 épreuves n'importe quoi, 6 spéciales, il y en a une c'est sur de l'eau, et après d'accord, et après c'est que du sec. Ok, d'accord, donc sans entraînement comme ça à l'arrache, ça va être chaud, je vous le dis. Ça va être chaud. Par contre, on a le droit à quoi comme pneu? Donc, les poussées électriques, j'y touche pas. Pas de réglage véhicule. Réparation, pour l'instant, il n'y en a pas. Ouais, bah, c'est très tendre ou tendre. Alors, je sais pas. Je vais faire sans roue de secours. Très tendre ou tendre. Je sais pas combien de spécial ça fait. Là, si je prends des très tendres, puis ouais, ça fait 3 trains de pneus. Oui, bah. Le grand à l'arrache. Donc ça fait pas grand chose, on va. Ouais, ça ferait deux tendres. Deux très tendres, allez hop, on y va. Donc j'ai deux très tendres. On va faire un check down comme ça. Comme le jeu conseille, de toute façon. Direct, droite 2, 60 mètres, bonne chance. Ah, le grand à l'arrache. Hein. Ah, le grand n'importe quoi, je le sens. 5, 4, 3. Mais pour faire honneur aux Zinzins. Vu qu'ils me font la gentillesse pour certains de faire mon rallye dans mon club. Quand je peux, de temps en temps, je fais le leur. Mais je regarde pas du tout le résultat final. Je sais pas regarder. Enfin, je sais qu'ils ont leur propre Discord. Et d'ailleurs, je mettrai les liens dans la description de cette vidéo. J'ai pas le temps de m'occuper de tout ça et de suivre. Et pourtant c'est intéressant, mais j'ai vraiment pas le temps. Donc du coup je fais ça à l'arrache. Pour le plaisir de rouler. Ah, c'est quand même puissant comme voiture, ça change. Ah, ça fait peur, hein. Ici ça fait peur. Allez, c'était une petite séance d'entraînement, de mise en jambe. Alors, comme j'ai tapé un peu, voilà, la carrosserie elle a mangé, c'est normal. Alors, on regarde les pneus. Donc la stratégie pneus, c'est pas mal par défaut. Les pneus d'abord très tendres, ensuite peut-être tendres quand il y aura de la pluie, et ensuite à nouveau très tendres, c'est ce que j'ai vu. Allez, c'est parti, on réfléchit pas, on y va. Plus on réfléchit, et moins bien c'est. Direct, droite 2, ça sert à vider la tête, chance. Vous me direz que moi j'ai pas vraiment besoin de me la vider vu qu'elle est déjà vide. Et je vous dirais, eh bah ben, c'est pas faux. Gauche 1, long, après croisement, droite 4, très long. 120 mètres.
perdu un peu de temps là. La peau voulu tourner. Quand ça bouge bien, c'est puissant. 40 mètres, ciel, 50 mètres. Attention, droite, 6, pont qui referme sur pont. Attention au pont. Aïe. Oh, ça passe fort là. Droite 6, 100 mètres. Soulage, droite, léger. Dans gauche 3, tard, long, ouvre. 50 mètres. Attention, droite, 2, mi-long, ouvre sur pont. Dans droite, léger, très long. Une petite léchouille. Gauche 6, 110 mètres. Droite 5, long, 30 mètres. Gauche 6, ferme. Dans droite 4, ouvre, 40 mètres. Gauche 2, ouvre, 60 mètres. Gauche 4. Pour gauche 6, long. 60 mètres. Droite 6, mi-long, 50 mètres. Gauche léger, bref, 160 mètres. Droite 6, long, 170 mètres, soulage. Gauche 2, tard, très long, 60 mètres. Ciel léger, 50 mètres, attention, droite 4, long, qui referme, sur pont, 40 mètres. Gauche 3, reste intérieur. Droite 5, très long, 60 mètres. Gauche 2, mi-long. Droite 3, attention. Sur pont, 180 mètres. Gauche 5, qui referme sur ciel, soulage. Pour gauche 6, pour droite 4, sur pont, 50 mètres. Droite 4, bref. Sur gauche 2, bref. Droite 3, pas corde. Dans gauche 4, 30 mètres. Droite 3, pas corde, 80 mètres. Gauche 6. Ah, oh, je fais ce que je peux. Extérieur, 30 mètres. C'est chaud. 5, droite 5, 40 mètres. Droite 5, très long. Ah, ça me déporte. Oh là, là aussi. Ouais. C'est rien. Rien de méchant. Oh, c'est pas grave, c'est juste de la carrosserie, ça se repasse, ça se remplace et puis ça n'empêche pas de tourner. Ben, c'est intense, hein. 3,42, ouais, ça me fait un peu loin, j'imagine. Vraiment le grand à l'arrache. Alors ça donne quoi ça? 19e temps pour l'instant, provisoire, c'est pas mal quand même. C'est pas mal pour un truc à l'arrache. Et regardez notre ami Chrismo des ZZT. Eh ben, 26e, hein, quand même. Donc ça va, je suis juste devant. Il y a encore quelqu'un que je reconnais, là, Nicolas Grandjean, qui est juste derrière. Nicolas Moteur, juste au-dessus. On est souvent côte à côte. Donc, c'est pas mal, hein, pour un truc fait à l'arrache. Ah, il y a Nico Voisin, donc Voisinou, là. Il est à 3,35, ouais, c'est pas mal, hein. Il a bien turbiné aussi. 3,42 du coup. Ouais, ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà, de toute façon, là, c'est très, très, très bien. 3 minutes 27. Après, peut-être qu'ils s'entraînent, je sais pas. Ou ils font ça à l'arrache aussi, j'en sais rien. Mais bon, non, pour du à l'arrache, plutôt bien. On va voir combien de personnes est déjà passé, donc, sont déjà passées. Pardon, c'est 44. Donc, ça fait 19e sur 44 pour l'instant. Bon, c'est très bien, hein. J'en demande pas plus. Allez, spécial numéro 2. Je rappelle, il y en a 6 en tout. Et là, c'est 9,5 km sur toujours le matin. Enfin, là, c'est le matin plutôt. Et c'est sur du sec, direct, mais en partie nuageux. On va essayer de pas sortir. Hein. Ça, c'est.
C'est plus facile à dire qu'à faire. 5, 4, 3, 2, 1, temps. Gauche 5, 80 mètres. Quelle puissance! Droite 5, reste intérieur. Ciel 40 mètres. Ciel léger 30 mètres. Petit jump 120 mètres. Gros jump. Oh là là, c'est toujours ici que j'aime pas. L'atterrissage est toujours difficile. La fameuse branche invisible. Ça c'est de l'arrache. Ah, allez, 5 secondes. Ah bah plus de peur que de mal. 5 secondes, ça va. Encore. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Ah non, c'est trop rapide. Non, là je vais trop vite. C'est pas raisonnable. Il faut que je l'apprenne ce tracé parce que je crois que je l'ai encore dans un rallye historique de Bob Quad. Ici il faut être prudent et je ne suis pas assez. Il y a plein de pièges. Alors en plus avec cette voiture là, voilà. Avec cette voiture là, c'est impossible. Le grand à l'arrache. Droite 5, extra long. 40 mètres. Gauche 2, tard. 40 mètres. Gauche 5, bref. Dans droite 5, ouvre. 120 mètres. Gauche 5, sur ciel. 60 mètres. Droite 3, bilan. 50 mètres. Sur ciel à fond, 40 mètres. Gauche 6, dans droite 5 sur ciel, 40 mètres. Gauche 4, reste intérieur. Ah ouais, c'est ciel, c'est rapide mètres. Ici, hein. Avec cette voiture, wow. Gauche 3, 70 mètres. Droite 4, reste sur ciel. Gauche 3, droite 5, ouvre. Sur ciel, 100 mètres. Ciel, 30 mètres, droite 4, 30 mètres, gauche 3, bilan, ouvre. Dans gauche sur ciel, pour droite, 4 sur ciel, 150 mètres. Soulage, ciel, pour droite 1, 70 mètres. Gauche sur ciel, 40 mètres, ciel, dans gauche, léger, 50 mètres, jump. Pour gauche 6, ouvre. Sur ciel, pour droite, léger sur ciel, 90 mètres, droite 4, 60 mètres, gauche, léger sur ciel, pour droite, léger, 50 mètres, ciel, dans gauche 5, bref, sur ciel, 60 mètres, gauche 6, sur jump, 100 mètres, gauche, sur ciel, 50 mètres, droite 6, ah ça déroule, mètres. Ça déroule. Ouais, on peut le faire sans freiner, je suppose, mais bon, c'est chaud, hein. Droite 5, bref, sur ciel, dans gauche 6, sur ciel, pour ciel, soulage, 50 mètres, croisement, droite 2, ferme, 160 mètres. Wouhouhouhou ! Ouah, ça c'est... Grâce à la voiture, à la puissance, là, l'énergie retrouvée, j'ai évité de tomber, je suis... Oh là, j'arrive même plus à parler. C'est fort, hein. C'est du rapide. Dans gauche, léger, pour droite 5, reste intérieur, 110 mètres. Difficile. Gauche, difficile de se concentrer dans ces conditions. Mètres. Droite léger sur ciel, 60 mètres. Gauche 6, ouvre sur ciel, 120 mètres. Attention, gauche 3, ferme, 50 mètres, gauche 3. Je veux dire qu'en vrai, ils sont beaucoup plus rapides que ça.
C'est vraiment des warriors. Allez, à fond. Ouais, sauf que là, ça passe pas à fond. Voilà. Oh, 5 minutes. Oh là, oui. Oh, je suis déjà largué. Le premier temps, c'est 4 minutes 34. Hein. Et là, je suis à 5,06. Donc. Mais wow. 27ème. Crismo juste devant, là. Juste devant, avec 5 secondes de pénalité aussi. Et il a mis 5 minutes 01. Donc, ça va, c'est très honorable. Très honorable. Mais qu'est-ce que c'est rapide comme véhicule, hein. Rouge tonneau, tiens donc, je le connais lui aussi. Rouge tonneau, en 34e position, hein, c'est bien. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, il y a... Non, c'est pas le même Freddy, ça. C'est pas Freddy, ça. Ce n'est pas Freddy, Nicolas Moteur. Ben là, il m'a mis... ah oui, 4,48. Pour. Très bien. Hein. Après, je connais pas. Je ne connais pas. Mais... wouh! Bien, il s'est arraché là, Toyota 4 minutes 34. Wow! Bon, après, j'ai fait un tonneau. Hein. Un beau tonneau. Forcément, ça n'aide pas. Est-ce qu'il y a une assistance ici? Ah, je crois que oui. Voilà, on va réparer un peu là parce que. Oh, ça va encore. Est-ce qu'on peut tout réparer à fond? Oui, parfait. Bah, réparons à fond. Voilà. Donc c'est ici que je vais utiliser d'autres pneus. Alors j'entends la pluie, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Donc ici il pleut. Elles sont pas très longues. Pff, ouais. Ouais. De toute façon les pneus ça pourrait marcher, mais donc est-ce que je prends les pneus les plus tendres ici et puis non, je vais prendre les pneus les plus tendres à la fin. Donc là je vais prendre les plus durs. Qu'est-ce qu'il me conseille? Il est très tendre. Hein, ouais. Oui, bon, de toute façon. Hein. Je fais ce que je veux. Direct 120 mètres. Oh, que c'est pas beau. Oh. Oh là là. Ça sent la cata. En plus, c'est une courte. Le meilleur a mis 2 minutes 05, 263. Bah, dis donc. Bravo. 2 minutes. Est-ce qu'il y a la lumière? Je vois pas de différence. Oh là là, je pense que ça sent la catastrophe. Non, les essuie-glaces, ils vont pas plus vite que ça. Ah bah non. Voilà, je fais n'importe quoi. Ah, les essuie-glaces. Ah, je ne vois rien. Évidemment. Oh, je suis passé. D'habitude, je vais dans le précipice. Là, je suis passé. À 2 minutes 05 okay. Et moi je suis à 2,14 avec beaucoup de difficultés.
Ça doit bien faire reculer, ça. À 19e. Bon, bah, je reprends la place que j'avais dans la première spéciale. Ah, pas facile, hein. Pas facile du tout. Donc là, il y a... Ouais, je connais pas, je connais pas. Nicolas Moteur, de temps en temps, je le retrouve. Et puis, à cause de son pseudo, je suis obligé de me rappeler. C'est rigolo. Donc, 2 minutes 11. Ouais, ça va, je suis pas trop loin. Je suis pas trop largué. Ensuite, si, ZZT, Smirnov... Smirunov, pardon. Je le vois assez régulièrement aussi. Après, il y a du BVR. Rouge Tonneau. Rouge Tonneau est juste derrière. Ensuite... Ensuite, il y a peut-être... Bah, c'est peut-être Espierre, mais je sais pas. Je suis pas sûr. J'ai, comme les pseudos changent, Voisinou, il est juste derrière. Donc, Voisinou, je le retrouve, mais il s'est mangé un peu de temps, là. Et pour l'instant, c'est tout. C'est tout. Ah bah si, Chrismo aussi. Bah alors, 2-18. 2-18-500. Ouais, 2-18-500. 2-14, ça va. Ça va, on est dans... On est où il faut. Où il faut être. Donc, ça veut dire que pour l'instant... Pour l'instant, en général, je serai 23e sur combien de participants? Sur 38. Bah oui, forcément. Hein. Pas facile. Pas facile, pas facile. Mais c'est comme ça, hein. C'est un championnat qui est très 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 compliqué, c'est normal, il y a du niveau. Et puis là, bon, en plus, tout à l'arrache avec une voiture de fou hybride, c'est pas forcément ma spécialité, mais bon, c'est bien de tester de temps en temps aussi. Direct, gauche léger. Allez, la quatrième, et il y en a 6, comme je le répète, donc celle-là, toujours avec des pneus... Les pneus les plus durs, mais qui sont quand même très rapides. 5, 4, 3. Et là, c'est sur le sec à nouveau. Top, gauche, léger, droite, 2, 30 mètres. Gauche, sur ciel, 50 mètres. Croisement droite, caché, dans gauche, léger, ouvre sur ciel, 50 mètres. Ciel. Gauche, on l'a senti le trottoir là. 4, bref, ah, c'est par où? Oh, qu'est-ce que c'est rapide! C'est trop rapide pour moi, madame! Madame, monsieur! Oh là là! Ah, par contre, c'est agréable, hein, mais c'est super rapide! J'ai peur! Ce qu'il dit, attention. Ah oui, effectivement. Oh, oh, oh. Petit patapon. Youhou. Oh là là, la folie, la folie. Ah, c'est super comme enchaînement. C'est pas où? Ah, oh là là là. En plus, la météo, c'est magnifique, les nuages et tout là. Ah, c'est vraiment propre. Hein. Les enchaînements avec cette voiture. Pouh, c'est incroyable, incroyable. J'avais pas encore essayé comme ça dans ces conditions. Ah, c'est dommage. Ça fait perdre du temps. Ah, mais j'ai évité de rentrer dans des spectateurs. Gauche 6, soulage, droite, léger,
Ah, oh, c'est fou, hein. Aucun problème, cette voiture. Aucun souci, ça se pilote vraiment très bien. Sans réglage, évidemment. C'est fou, hein. Je dis, mais non, on peut pas passer là. Bah si. Ah, je reste prudent quand même, j'ai pas envie de casser la voiture, ce serait dommage. Terminer le rallye comme ça, alors que j'ai envie de le finir quand même. Et les oiseaux qui décollent juste à cet endroit-là, marrant. Vraiment bien fait, hein. Et bah ben, on arrive. 4 minutes 30. Ouf. Ah oui, je vais regarder. Je vais regarder le tableau des résultats. Donc forcément, j'étais pas prêt. Par contre, je sais plus où est ma souris. Allo, allo. Souris. Voilà. Et ainsi. Évidemment, on reprend. On est reparti. Donc 4 minutes 19, c'est le meilleur temps ici. J'ai mis 4 minutes 33. Ouais, bon, c'est à peu près le temps que d'écart que je mets habituellement depuis le début de ce rallye. Donc, ouais. Ben voilà, 17ème. Hein, d'habitude, je suis 19ème. Bon, ben là, 17ème. C'est parfait. Ça correspond à mon style de pilotage. Et là, pour pas grand chose, hein, ça se joue entre la 12e et la 18e place, on est à 3 secondes seulement d'écart. Hein, donc franchement, bravo. Voisinou, ouais, il a carburé, hein, 4 minutes 26. Hein, 4 minutes 26, hein, il carbure dans ce rallye encore. Ça lui convient vraiment, hein, l'Océanie, a priori, parce que même dans Bob Quad historique. Si vous avez déjà regardé les vidéos ou les premières vidéos, parce que il est très très bien placé, il était sur le podium. Alors maintenant, à l'heure actuelle des choses, je sais pas où il se trouve, mais il a bien turbiné, donc ça lui convient bien, ce rallye d'Océanie. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc Margoun aussi, oui, il a fait aussi il est dans mon club, donc du coup, ok, je le retrouve ici. J'étais un petit peu mieux que lui sur celle-là. Et pourtant, j'ai fait des erreurs. Hein. J'ai tapé aussi, mais bon, rien de bien méchant. Et après, ZZT Crismo, 4 minutes 44. Donc, 26e, 44. Oui, il a mangé un peu plus de temps, là. Là, il a mangé un peu plus de temps. Et c'est tout. Et Nicolas Moteur aussi. Et pourtant, je croyais que j'avais. Je m'étais un peu trompé, mais pas tant que ça. Hein, c'est pas si mal que ça. Donc, 17ème, c'est pas mal quand même. C'est franchement pas mal. Hein. Allez, normalement, il y a une assistance. Je dis bien normalement. Vu qu'on est sur la 5. Oui, c'est ça. Il y a une assistance. Je répare ce que je peux réparer. Et ce qu'il y a à réparer, s'il y a à réparer, je pense que oui. Voilà, un peu de carrosserie, un petit peu de suspension, normal. Hein. Rien de bien méchant, je mets tout à fond, c'est parfait, ça passe. Et en même temps, je change les pneus pour mettre le dernier train de dispo. Voilà, on va remettre des traits tendres. Je garde... Non, je ne prends pas de roue de secours. Et on est reparti. Pour du 11 km, c'est un peu plus long. Direct aussi. Donc là, il y en a pour ciel, 5 minutes 30 pour le meilleur, 5 minutes 31. Ouais, bon, on va mettre. Si on peut mettre un petit peu moins de 6 minutes, ce serait parfait. Je suppose que ce serait un temps honnête, un temps vers les 17e, 19e positions, quoi. 5, 4, 3, 2,
60 mètres. Droite 3, 30 mètres. Gauche 3, 40 mètres. Droite 3, qui referme. Sur ciel, 50 mètres. Ah, c'est vraiment plaisant. Gauche 5, long. Ah, puis sur le sec, là, ils ont trouvé. Ils ont trouvé mon point faible. Je suis obligé de faire ce rallye dans ces conditions-là. Ça me convient beaucoup mieux. Quand j'ai vu qu'il était dispo, j'ai dit allez, je vais le tenter. Ça va m'entraîner. Et puis j'avais pas encore trop essayé avec une voiture WRC hybride. J'avais fait qu'une fois, je crois. Pour le rallye de Sylvain, les rallyes extrêmes qu'il appelait ça, mais c'était sous des conditions de pluie et la nuit, donc on voyait rien. J'ai pas profité de ce rallye là comme ça. Et là c'est vraiment très plaisant, même si je fais des bêtises et même si c'est pas facile aussi hein. Allez, là c'est tout droit pendant un petit moment. Vitesse de pointe 192. On frôle les 200. Je sais plus où c'est. La fin, c'est par là. Une machine de guerre. Cette voiture, c'est une machine de guerre. Incroyable! Ouh là là, c'est trop passé loin. J'ai trop frôlé là. Ah oui, là ça tournait plus que ce que je croyais. J'ai pas regardé ma map. Et pourtant c'était bien décrit. Oh là là, la vitesse, c'est la folie. Oh, ça aussi c'est la folie. Oh, ah, on réapparaît. Oui, 8 secondes, allez. 8 secondes de pénalité, n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Ouais, j'aurais dû freiner avant. C'est de ma faute. C'était prévisible. C'est 8 secondes gratuites pour les autres. Je leur ai donné 8 secondes de mon temps. Allez, presque arrivé au bout. Évidemment, il y avait un piège, je tombe dedans. On voit le capot qui commence à se soulever.
gauche 1, à droite 6, Milan, 50 mètres. Allez, une cocotte. Milan, 30 mètres. Droite 1, Milan. Je rattraperai jamais mes 8 secondes, hein, mais bon. On arrive à la fin. En plus, je la connais un peu celle-là. J'ai pas d'excuses. Voilà. Eh, j'avais dit moins de 6 minutes. Et bah voilà, avec ma pénalité, bah si je dépasse les 6 minutes. J'avais dit que c'était possible. Donc si on retire 8 secondes, j'aurais été beaucoup mieux. Hein. Mais bon, tant pis. C'est comme ça. De toute façon, j'avais qu'à m'entraîner. Voilà, je dépasse un peu. Voilà, 22e. Bah oui, c'est mes bêtises. Hein. Et Chris Mo, bien joué, bien joué. 5 minutes 56, donc il a bien été au-dessous des 6 minutes. Rouge Tonneau, ouais, il s'est aussi mangé une pénalité. Ça fait mal. 1 minute 15, donc 6 minutes 07. Et après, je ne connais pas plus que ça. Et juste avant, donc Nicolas Moteur, il a bien turbiné aussi, hein, 5 minutes 49. Mais c'était atteignable, les 5 minutes 50. Réellement, c'était possible. Ah, bah, dis donc, voisinou, 5 minutes 42. Vraiment, il l'aime bien. Hein. Ah, ça, il aime bien ce rallye. Hein. Ah, il est fort. Il est très fort. Allez, on va faire la dernière spéciale et on pourra boucler ce petit rallye, ce petit interlude, un petit rallye des zinzins du rallye. Voilà, donc pas d'assistance, on y va direct. 4 minutes 22 pour le meilleur. 4 minutes 22. Direct 80 mètres, jump, bonne 9 km 2. Donc en 4 minutes 22, turbiné lui aussi. 5, 4, il y a vraiment des bons, hein. Ça c'est sûr. 1, top, 80 mètres, jump, 50 mètres. Gauche, et peut-être qu'ils font ça aussi à l'arrache. C'est possible, il y en a qui sont comme ça. Moi je fais à l'arrache, mais c'est pas très efficace. Hein. De toute façon, même quand je m'entraîne, je peux faire quand même des bêtises et c'est pas très efficace non plus. Donc. Faut trouver juste le milieu. Et surtout prendre du plaisir. La devise des zinzins du rallye. Plus on est de fou, plus on rit. Oh, la voiture, elle mange l'asphalte, elle mange tout. Elle y va. T'appuies sur l'accélérateur. Ça renvoie. Ah, si je pouvais me rattraper la bêtise de tout à l'heure. 8 secondes là, dommage. Oh, ça va vite là aussi, c'est impressionnant. J'ai peur. Allez, on en est à la moitié de cette spéciale. Wouh ! Attention aux arbres. Non, ne me fais pas perdre de temps, s'il te plaît. Oh là là.
J'ai un petit peu trop coupé là. Oh la boîte aux lettres, c'est vrai. Oh là 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 là. C'est vrai, en plus je le connais cet endroit. L'endroit de la boîte aux lettres. C'est pas grave, c'est la dernière, on peut y aller à fond. Pas de conséquences derrière. Elle est pas encore trop cassée, ça va. Attention, petit jump. C'est juste des bosses, des bleus. Ah, quoi que ça, c'est peut-être une roue. Oh là 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 là. Non, même pas, non, ça va. C'est rapide, c'est rapide. Une petite léchouille du mur, c'est pas grave. Attention, gauche, froid, tard, sur ciel, droite, 3, 50 mètres. Gauche, 4, sur ciel, 40 mètres. Droite, 5, 40 mètres. Gauche, 3, sur ciel, sur bosse, pour droite, 3, et long. Droite, 5, 30 mètres. Oh, 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 on se méfie. Gauche léger, droite 5 sur ciel, 100 mètres. Gauche sur jump, 120 mètres. Petit jump, sur. À fond, à fond, à fond, à fond. Okay. Allez hop là, 4047. Rallye terminée. Je suis à 20 secondes, plus de 20 secondes, forcément 25 secondes du leader. Donc c'est à peu près ma place normalement, en proportion. C'est ça, bah voilà, 17ème, c'est ce que je disais, c'est ma place. Et Voisinou qui est encore bien turbiné, bah, sa place ça va être dans la 10ème position à peu près. Ce qui est très très bien. Ouais, parce que là c'est inatteignable sinon. Et Crismo juste derrière en 4,49. C'est propre, c'est beau aussi. Allez, Rouge Tonneau en 4,57. Rouge Tonneau, ouais, 10 secondes. Et Smirunov, 5,02. Et après, je ne connais pas. Et donc, résultat final. Résultat final. Tada! Donc, Voisinou, il est 7ème. Hein, bravo. Bravo à lui. Enfin, pour l'instant, c'est encore d'actualité. Donc, les zinzins du rallye, c'est jusqu'au 10 juillet. Celui-ci est jusqu'au 10 juillet. Et nous sommes le 6 aujourd'hui, au moment de l'enregistrement. Donc du coup, il reste 4 jours, mais ça va encore bouger. Donc 7ème quand même provisoire, c'est propre, c'est très bien. Et moi, je suis 18ème, voilà, 18ème place pour l'instant, provisoire, en 26 minutes 995. Et Crismo, par exemple, juste en dessous, 20ème en 26 minutes 36, donc on a 10 secondes d'écart à peu près. 10 secondes d'écart, donc c'est très serré. Hein. 10 secondes sur 26 minutes, c'est bien. C'est propre, c'est bien. Et par exemple, Rouge Tonneau en 29 minutes, et il est pour l'instant 26ème, et tout ça c'est sur 34 passages. Ben voilà, ben c'est très bien. Ah bah ça, c'était un plaisir de tourner, tourner ce petit rallye là, cette petite vidéo. Et normalement j'en ferai pas plus hein, sur les zinzins. C'était vraiment que là j'avais envie, que j'avais du temps. Mais sinon c'est compliqué. Mais en tout cas, profitez-en. Profitez bien de cette vidéo et des prochaines à venir. Sur ce, je vous dis à plus. Et je mettrai tous les liens dans la description si vous voulez rejoindre le club des zinzins ainsi que leur Discord. Et vous verrez les procédures, comment ils notent les points et tout ça, puisque c'est pas par rapport au résultat du jeu. Ils ont leur propre classification qui est très bien faite, c'est juste que moi je prends pas le temps. Je n'ai pas le temps de faire ça, de m'en occuper, de regarder. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. A plus !